Fait économie, bon, investir l'argent, puis bon toujours. Dans la vidéo, ça, moi, je vais vous montrer la différence entre mettre l'argent dans la banque et investir l'argent dans un business. Pour bien comprendre la différence entre économiser avec investir, on nous considérer des exemples sérieux. Je dis à là, ou gagner un dilemme. Dans poche ou gagner 1000 dollars. Ou besoin qu'on ait, est-ce que faut qu'on investisse comme ça? Ou bien économiser comme ça. Gagner 11 amis qui dit ou ouvrir un compte bancaire avec 1000 dollars ça, comme on travaille chaque mois, continuer déposer 100 dollars sous compte ça, quitter comme ça dans banque là pour 5 ans, banque là lui-même là-bas où on intérêt de 1% chaque année. Gagner un l'autre ami qui dit ou investir 1000 dollars ça dans un business. Continuer à investir 100 dollars chaque mois sous tête 1000 dollars ça, quitter comme ça dans l'entreprise là pour 5 ans et chaque année, vous avez gagné un intérêt de 6% sous comme ça. Quelle décision que vous prenez aujourd'hui là? Pour comprendre la décision, on nous regarde comment le chiffre ça va dérouler devant nous. Nous cliquons sur calculer, nous voyons que gagné trois nombres importants. Qui paraît. Premier, c'est valeur totale de Kembe l'argent qui c'est 931 dollars. Deuxièmement, c'est valeur cash qui c'est 7172 dollars. Et troisièmement, c'est valeur investissement. Vous pouvez remarquer que dans le premier nombre blanc, 931, c'est une différence que liée entre 8103 avec 7172. Qui ça que lui représente? Lui tout simplement représente que si que ou t'es investi comme ça, genre l'autre ami t'es dit là, dans 5 ans, avec un intérêt de 6%, ou t'as gagné 8103 dollars. Mais si que plutôt ou t'es choisi pour t'es ouvert un compte bancaire, après 5 ans, ou t'as gagné dans mes banques là 7172 dollars avec seulement un intérêt de 1%. C'est là que l'important ou même pour prendre une décision ça, est-ce que vous investissez 1000 dollars ça, chaque mois vous continuez à investir 100 dollars et pour un intérêt de 6% pour 5 ans, ou bien est-ce que vous ouvrez un compte bancaire avec comme ça. Et puis pour équivaler quoi que vous avez supposé gagner si que vous avez investi, combien vous avez gagné si que vous faites économie et déficit que vous pouvez faire, les que vous choisissez pour ouvrir un compte au lieu que vous investissez comme ça, soit dans un business ou bien dans le stock market là. Est-ce que vous connaissez que chaque année en moyenne, gagnez une inflation de 3% sur tout produit que vous consommez? Ça veut dire que train de vie que vous avez gagné l'année passée, si que vous voulez kembe même train de vie, ça, faut que vous ajoutez 3% sur toutes dépenses que vous pouvez faire pour l'année. Moi, je vais prendre un exemple pour nous mieux comprendre. Tableau ça, facile. Il montre valeur temporelle de l'argent par rapport avec l'inflation. En peu de mots, il montre valeur encore gagnée aujourd'hui. Par rapport avec la valeur que l'on va gagner dans un an, 2 ans, 20 ans, 50 ans. Ou toujours gagner un dilemme, je veux dire, dans poche ou gagner 1000 dollars ou décider plutôt comme ça pour économiser. Soit que vous mettez la banque ou bien vous mettez en bas matelas. On nous garde combien comme ça l'on vaut en 2027, dans 5 ans, là que comme ça vous dit que vous pouvez retirer pour utiliser. Nous, en année 2022, 5 ans, c'est l'année 2027. Et puis, vous cliquez sur calculer. Là, vous voyez que il y a un message qui paraît qui dit que chaque année, dans les États-Unis et même à travers le monde, gagnez une inflation de 3%. Vous cliquez sur les cognats, les barres, un résultat. Là, que vous voyez ça, qui est au comptant, vous voyez que il dit que 1000 dollars en 2022, l'IPRAL 1150
$159 en 2027. Comment que pour qu'à interpréter le résultat ça? Il dit simplement que train de vie que vous gagnez en 2022, année ça. Ça que vous qu'à acheter à 1000 dollars en 2022, si que vous besoin acheter même bagage ça en 2027, 1000 dollars ça, il pas suffit, vous êtes obligé de gagner 1159 dollars avec 27 centimes parce que valeur l'argent, l'échanger à tout moment et parce que gagner inflation. Ça veut dire que ou même qui besoin qu'imbé même train de vie ça, faut ou ka établi une procédure, une méthode pour comment que ou pral goumen contre inflation. Si que ou choisi pour ouvrir un compte bancaire avec 1000 dollars ça, ou ka dit que ou a perdu nan kogwa au moins 159 dollars. Si que comme ça pito ou investir, même si que gagne inflation, ou a en mesure pour ka ou même pour ka battre inflation ça, parce que gagne on garantie de 6% profit que ou même pour ka générer avec 1000 dollars ça. Prochaine fois que vous gagnez un cob dans la main et comme ça, vous avez un plan pour dépenser, faire un petit bac, essayez d'évaluer la différence entre investir avec économiser. Cherchez qu'on est qui s'acquiert les valeurs temporelles de l'argent. Cherchez qu'on est combien 100 dollars vaut aujourd'hui et combien que l'IPRAL vaut dans 2 ans, 3 ans, après que vous finissez de maîtriser le concept sérieux, vous pourrez acquérir un paquet de connaissances en liberté économique, ça va permettre que vous pourrez prendre une meilleure décision, qui pourrez montrer intelligence, qui pourrez montrer discipline. Et toute décision que vous pourrez prendre, c'est en fonction de qui héritage que vous voulez quitter pour famille ou que vous voulez quitter pour zone que vous vivez là-dedans.